Donc salut à toi, Ungames, comment tu vas alors? Ça va bien et toi, Stone? Bah tranquillement, écoute, on est réunis là pour parler de la Nintendo 64 à travers des anecdotes et des souvenirs. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire et puis surtout les souvenirs d'achat et puis les moments qu'on a passés sur certains titres qui sont peut-être pas forcément les plus connus pour la plupart des gens, parce que tout le monde a adoré les Zelda, comment dire, les GoldenEye, les ISS 64 et autres. Peut-être que toi, dans ta liste, tu auras peut-être des jeux différents, et ça va être un peu ça le but de cette émission. Alors, toi, comment tu es arrivé pour la première fois, la main sur cette console? Alors, il faut savoir que avant tout, moi je suis né en 98. Donc j'ai 25 ans. Et là, tout de suite, il y a problème parce que c'est tout de suite. Attendez, il est né en 98. Normalement, il devrait nous parler de la GameCube, il devrait nous parler de la Wii, Ouais. de la 360, de la PS2 et tout ça. Sauf que il faut savoir que en 2000, ouais, je devais peut-être avoir 4-5 ans. En 2002-2003, en fait, la GameCube venait de sortir, je crois. Et le problème, c'est que la GameCube, elle coûtait super cher. C'était pas Ouais. possible pour que mes parents puissent l'acheter. Il a fallu attendre au moins, ouais, à peu près 2-3 ans pour que les prix baissent. Et donc il y avait une de mes cousines, en fait, qui avait une Nintendo 64. Et donc elle m'a donné donc sa Nintendo 64. Ça va pour toi. Ouais, donc j'avais à peine 4-5 ans et du coup bah je jouais à la Nintendo 64 dans les années 2000, genre au tout début, je dirais 2002-2003, un truc comme ça. Ouais, mais c'est une façon de commencer comme une autre, hein, je pense. Hein, dans mes souvenirs, bah, je sais pas si j'ai commencé aussitôt à avoir une console. Je pense que c'est peut-être arrivé vers l'âge de 7-8 ans où je sais que mon père, lui, il avait une console de type Pong, hein, comme tout le monde avait, tu sais, qu'il avait acheté parce que c'était la mode et il jouait pas forcément. Et je me souviens que, ouais, quand t'es jeune, en fait, la première console, tu sais pas, elle te marque quand même, même si elle n'est pas forcément de grande qualité, mais toi, tu as eu la chance quand même de commencer par une console d'une autre génération que celle de la Pong, tu vois. Donc, t'avais quand même beaucoup plus de spectacles à voir à l'écran que moi à travers deux bâtons et puis une bille qui va de droite à gauche. Et par exemple, est-ce que tu te souviens du premier titre par lequel tu es passé sur cette console? Eh bien, c'est Mario Kart 64. Ah, Mario. Et Ah bah oui. est-ce que c'est un jeu qui, la première fois que tu y as joué à plusieurs ou c'était une Alors, je me expérience sou... solo? À la base, donc quand j'ai eu la N64, ma cousine m'avait donné donc la console, mais elle avait les quatre manettes. Donc, elle avait quatre manettes et elle avait plein de jeux. Elle en avait plein. Ouais. Alors, je vais pas tous les citer aujourd'hui parce qu'il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, on va en citer quatre. Souvent, alors. Pas tous les jours, mais on va dire quelques fois où avec mon père on jouait à Mario Kart 64. Et des fois en fait j'étais tellement nul au jeu que ce qu'il faisait c'est qu'il débranchait la manette Ouais. et du coup je faisais semblant de jouer quoi. Ah. Mais ouais, mais pour moi je kiffais. D'accord. Mais oui, mais ça, on rappelle le contexte, c'est que tu avais 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que Ouais, à peu près, ouais. ouais, tu mimais un peu les gestes que les grands faisaient pour un Ouais, c'est peu ça. voilà, pour préparer au truc. Mais on va dire que, est-ce que cette console-là, par exemple, quand toi, tu avais peut-être 10 ans ou 11 ans, tu l'avais encore chez toi? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je l'avais encore. Je l'ai gardé pendant ouais, facile, je l'ai gardé je dirais plus d'une dizaine d'années. Après, malheureusement, j'ai dû la revendre. Ouais. Et je dis malheureusement parce qu'en fait, je devais financer mes études. D'accord.
Voilà, donc ouais, donc je l'ai gardé très longtemps. Elle a, enfin je trouve, hein, en tout cas, que la Nintendo 64, elle a tenu très longtemps. Ouais, elle a tenu très Ouais. longtemps par rapport à, tu veux dire, à des générations différentes qui étaient déjà sur du CD-ROM. Elle était en concurrence, mais elle était complémentaire peut-être aussi par rapport aux gens qui jouaient déjà sur CD-ROM. Par exemple, en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que la Nintendo 64, pour moi, en tout cas, quand je l'ai eu à 4-5 ans, après j'y jouais encore, hein, quand j'avais 7, 8, 10 ans, 11 ans. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, on était à la période de la Wii, la 360 et la PS3. Et à part la Wii que j'avais eue, toutes les autres consoles, en fait, ne m'intéressaient pas, en fait. Tout ce qui était PSP, 360, PS3 et tout ça, même la Wii, j'étais pas trop à fond dessus. C'était une période pour moi où j'étais à fond dans le rétro gaming. Et pour Déjà. moi, avoir, ouais, déjà à cette époque-là, bah, c'est à l'époque où j'ai découvert Edge. Donc j'avais à peine quoi? J'avais à peine 11-12 ans. Ouais, enfin, ouais, 12-13 ans. Il avait commencé à faire ses vidéos en 2011. Donc j'étais vraiment à fond dans le rétro gaming très jeune. Parce que tout ce qui était nouvelle génération à cette époque-là, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Et puis j'étais beaucoup plus rétro gaming dans tout ce qui était Super Nintendo, Mega Drive et tout ça. Alors que c'est des consoles que je connaissais pas. Mais j'étais tellement fasciné par ces consoles-là que qu'aujourd'hui, voilà quoi. Tu peux me parler peut-être de n'importe quel jeu qui est sorti sur Super Nintendo ou Mega Drive. Les plus anciens, ils vont me dire, mais attends, mais t'as quel âge? Je dis, bah, j'ai 25 ans. Tu vois? C'est peut-être parce que tu as vu les grands jouer à ces consoles-là et dans ta mémoire, tu les as gardées un peu. Tu as été fasciné Bah, il étant faut jeune. savoir que je suis. Ouais, après le truc, c'est que. En fait, c'était la période où, tu sais, entre la fin de la PS2, début de la PS3, il y a eu trop de jeux avec des cinématiques, en fait. Il y en a eu trop. Moi, ça me gavait de fou furieux. C'était quelque chose que je pouvais plus supporter. Et même, des fois, j'avais des voisins qui jouaient à la PS3, à la PS2. Et pour moi, c'était pas ouf, quoi. Il y en a beaucoup qui, de ma génération, vont se rappeler bah, des Tenkaichi 1, 2, 3. Mais pour moi, par exemple, genre les Tenkaichi, je trouve ça surcoté de fou. Et je me dis, wow, les gars, calmez-vous, hein. 5 minutes. Non mais ça c'est vrai, tu sais j'ai entendu sur une autre émission que des gens achetaient des jeux PS2 et PS1 parce qu'il y avait des bonnes cinématiques. Ils regardaient même pas le gameplay et ça m'a choqué à quel point bah tu sais c'est du m'as-tu vu les scènes cinématiques ça apporte de la profondeur à l'histoire mais dans un jeu d'action ou un jeu de sport ça sert absolument à rien du tout quoi. Enfin pour ma part. Ouais, pareil. Moi, quand j'ai envie de jouer à une console, je veux prendre la manette et y jouer. Je veux contrôler un personnage. Je veux vivre une histoire à travers le personnage. Je veux qu'il y ait du gameplay derrière. J'ai pas envie de passer 50 minutes à me taper bah, un film. C'est ça, c'est Donc, ça. voilà. Donc, pour moi, j'ai gardé très longtemps la Nintendo 64 et c'est une console qui m'a marqué. Ça m'a tellement marqué que je me suis mis à acheter des jeux N64. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore une collection de jeux où tu joues essentiellement sur des émulateurs pour la N64? Alors actuellement, je joue que sur émulateur parce que j'ai pas les moyens pour me repayer une N64, des jeux, des manettes et tout ça. Mais voilà quoi, je sais que j'ai une manette N64 USB, je branche ça sur mon PC et puis je joue à des jeux 64 en émulateur. Ah, très bien, ouais. Donc, ouais, toi, t'es vraiment amoureux du gameplay plus que de l'objet, quoi, on va dire. Bah, on parle de jeux vidéo. Même s'il y a la vidéo dedans, le mot qui est devant, c'est jeu. Donc pour moi, un jeu vidéo où t'as plus de 50% de cinématique, pour moi, c'est pas un jeu vidéo. Ah oui, ça c'est sûr à certains, ça. Mais tu vois, ma question c'était plus dans le sens, est-ce que tu serais plus fanatique aujourd'hui, enfin ta réponse elle est claire, t'es plus fanatique du gameplay que posséder l'objet dans le sens, comment dire, avoir la boîte, la notice et le jeu que tu adores,
Ça te dérange pas en fait de rester au point où tu restes sur un émulateur en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Moi ça me dérange absolument pas. Hein. Il y a peut-être, allez, peut-être un jeu que j'aimerais bien avoir en complet que je vais citer plus tard. Ouais. Mais ouais, pour moi aujourd'hui, alors à l'époque quand j'avais genre 12, ouais, 11-12 ans, j'avais une étagère où je faisais super attention aux jeux, aux consoles. La première fois que j'ai acheté un jeu Saturne, j'étais là en mode oh waouh, genre la Saturne c'est incroyable et tout. Aujourd'hui, je suis là en mode enfin voilà, je souffle, mais voilà. Mais pour moi, c'était extraordinaire d'avoir ce genre de jeu à cette époque-là. Mais tu sais qu'il y a un truc que plein de gens ne savent pas, c'est que les jeux Saturn, quand tu les poses dans ton étagère, il faut les mettre à l'envers, à plat. Parce qu'il y a une maladie qui est terrible sur ces boîtes cartonnées en plastique, c'est qu'ils ont tendance, à cause de la notice qui est énorme, tu te souviens des boîtes Saturn, tu pouvais à peine les fermer parce que la notice écrasait le CD. Et ce qui se passe, c'est que tu as des gens, j'ai vu ça sur Internet, tu as des gens qui ont eu des jeux qui n'ont jamais été ouverts pendant peut-être 25 ans. Ils ont eu des jeux, comment dire, qui ont été sortis de certains stocks, qui étaient sous blister, qu'ils ont ouverts. Les CD sont gondolés parce qu'ils ont été entreposés, entassés, à plat. Et malheureusement, en fait, la notice a gondolé le CD. Et ils sont Oh lésés. merde. C'est dingue, hein? Et les jeux d'occasion que vous avez chez vous, mettez-les sur la tranche inversée, quoi. Ou alors, vous les mettez de façon à enlever la notice à l'intérieur, je ne sais pas. Mais faites le test avec certains titres, vous allez voir que le CD prend cher à cause de la notice qui est énorme. Donc, c'est. Enfin bon, c'était une aparté, quoi, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, hein, les jeux N64, les boîtes, c'est l'équivalent de la Super Nintendo, hein, c'est très fragile, hein. Donc, je peux Ouais, comprendre. c'est très fragile. Je faisais super attention aux boîtes. Hein. Je peux comprendre que tu aies eu ouais, comment dire, un petit côté maniaque pour tous les gens qui ont eu des jeux Nintendo, quoi. Voilà, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu te souviens de la première fois, par exemple, où tu es allé dans un magasin pour choper un jeu d'occasion N64 ou en acheter un, je sais pas. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que j'habitais en Guadeloupe. D'accord. Et donc en Guadeloupe, tu vas pas forcément trouver des magasins de rétro gaming. Enfin, c'est ultra rare. D'accord. C'est très rare de trouver ça. D'accord. Malheureusement, je n'ai jamais pu trouver des jeux d'occasion de rétro gaming. Enfin, j'en ai vu quelques-uns vite fait comme ça. Ouais. Mais juste pour un souvenir comme ça, je m'en souviens une fois, on était au marché aux puces avec ma grand-mère. On était en train de se balader et puis là, je vois une NES avec les deux manettes et puis le jeu Mario. J'ai fait, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. J'étais comme un dingue parce que pour la première fois de ma vie, je vois une NES alors que je l'ai toujours vue derrière un écran. Mais là, pour la première fois, je la vois. Ouais. Le vendeur, il dit 20 euros. J'ai fait, allez, tiens, prends. Prends tes 20 euros. Voilà, c'est bon. Ah, c'est excellent. Direct. Ah ouais, j'étais comme un fou. Bah, Mais c'était, ouais, c'était des, ça, en fait, c'est des moments très rares. Puisqu'en Guadeloupe, il n'y a pas de magasin de points de de jeux vente. vidéo type genre rétro gaming occasion. La plupart, en fait, ils vendent des jeux de maintenant. J'ai vu une boutique en 2014 qui existait sur l'île de la Réunion. C'était une des seules qu'il y avait, même la seule sûrement. Et à l'île Maurice et à la Réunion, ils adorent les jeux vidéo comme ça. Il y a toujours une boutique à Saint-Denis, par exemple. Peut-être après à Pointe-à-Pitre ou à la Martinique, voilà, il y a peut-être une boutique qui traîne par-ci par-là. C'est peut-être possible, hein, faut voir, hein, je sais pas. Ben, il y en avait quelques-unes, mais elles ont toutes fermé. Ah ouais, voilà, tu vois. Bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est que malheureusement, celle qu'il y avait à l'île de la Réunion, que j'avais vue sur YouTube, a également cédé ses locaux et c'est devenu autre chose avec le temps. Ouais. Alors là, j'ai une question à te poser sur la N64. Est-ce que toi, tu sais combien d'éditeurs
ont pu travailler sur la Nintendo 64, sachant que PlayStation a monopolisé tout le reste en fait. Si tu vois ce que je veux dire, il y a eu. Bah les éditeurs, enfin tu parles d'éditeurs et développeurs? Voilà, éditeurs et développeurs tiers, hors Nintendo, qui ont développé sur la N64. Est-ce que tu sais combien il y en a eu? Rare. 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 D'accord, Rare Non, non, Software. il y a eu aussi peut-être genre Sunsoft, il y a eu, tu sais, comment s'appelle le logo de l'abeille, là, j'ai oublié le nom. Hudson, tu veux dire? Ouais. D'accord. Il y a eu eux. Après, il y a eu qui d'autre, je sais plus. Alors Hudson, Je sais tu plus, vois, je sais plus. je sais même pas si Hudson ont sorti des jeux en Europe, par exemple. Ouais, je sais pas. Et ils étaient sur la Super Nintendo Hudson. Alors après sur la N64, dans la liste que j'ai, le Bomberman, je ne sais pas qui l'a fait, faudra que je vérifie. Mais ils sont pas répertoriés. Alors peut-être que ils sont venus par la suite, hein, mais là en même temps, tu vois, pour les auditeurs, j'ai le bouquin Geekline qui a été fait avec les anciens de Joypad, les anciens de la presse spécialisée, etc., dont JM Destroy, et il y a parfois des erreurs. Donc on va pas prendre au pied de la lettre ce qu'ils racontent, on va s'inspirer. Mais sachant ce qu'ils ont fait sur l'anthologie Mega Drive qui m'est resté en travers de la gorge, donc on va dire que voilà, peut-être l'anthologie N64 comporte des oublis, c'est possible. Enfin voilà. Bah là, je suis en train de voir, il y a Disney Interactive, il y a apparemment Atlus, D'accord. apparemment aussi Electronic Arts, Ouais. Konami, Namco, Océan. Rockstar Game carrément, Ouais, Rockstar, en effet. Take-Two, THQ, Sammy à l'époque où c'était pas encore Sega Sammy, D'accord. Donc je confirme, il y a des ouais. oublis dans le bouquin de Geekline, je confirme, parce que il répertorie 14 éditeurs alors c'est vrai, c'est au début de la console, on va dire. Mais il n'y a pas d'autres tableaux, je suis en train de feuilleter les pages, il n'y a pas d'autres tableaux qui répertorient les prochains éditeurs qui sont arrivés. Sachant que je pense que ceux qui ont travaillé pour le Japon sont pas forcément répertoriés également. Mais on est en effet avec pas mal d'éditeurs américains, je trouve, avec il y a du Time Warner, il y a du Disney Interactive avec Virgin. Virgin, voilà, c'est une boîte peut-être anglo-américaine aussi, voilà. Il y a Mindscape, LucasArts, beaucoup d'Américains, hein, THQ. On a, THQ, voilà, on a, qu'est-ce qu'il y a? On a Acclaim, et puis ouais. Williams, Ubisoft. Williams et Midway, voilà, qui ont fait les NBA Jam, c'était NBA Hang Time, je crois qu'il y avait sur la N64. Et puis les Cruising USA, les jeux de course là, voilà. Étonnamment, la N64, je sais pas si les éditeurs étaient assez frileux au début quand la console a été lancée, ou alors ils ont attendu de voir pour peut-être aller sur ce marché-là. Est-ce que toi, t'as senti que certains éditeurs n'ont pas voulu porter leur titre qui existait déjà sur PS1 par exemple. T'as senti un peu comment dire, pas forcément un engouement des éditeurs à l'époque pour sortir leur jeu qui était déjà sur PS1 ailleurs? Ouais, moi je pense que un peu comme Rare, enfin en tout cas moi je vais beaucoup citer Rare parce que pour moi c'est les meilleurs éditeurs au monde Ouais. et c'est purement objectif. Ouais. Je pense que c'est soit il y a eu une espèce de confiance entre Nintendo, Nintendo et les éditeurs, enfin un éditeur en particulier. Ouais. Donc soit il y a eu cette espèce de confiance entre Nintendo et les éditeurs, soit Nintendo avait racheté, je pense, hein, Nintendo a racheté certains éditeurs comme l'a fait pour Rare.
Parce qu'à l'époque, Nintendo a racheté 49% du marché C'est ça. de Rareware. Ouais. Et donc, Rare ne pouvait pas se permettre de faire d'autres jeux sur d'autres consoles, puisqu'ils étaient quasi exclusifs à Nintendo. Même si bien avant le rachat, ils ont fait quelques jeux sur Mega Drive et sur Arcade. Et sur bien évidemment sur comment ça s'appelle sur le ZX Spectrum. Ouais. Mais à partir du moment où ils se sont fait racheter à 49%, c'est là qu'ils se sont commencé à dire OK, on va peut-être travailler 100% avec Nintendo. Ouais, Et je ouais. pense que peut-être la majorité des éditeurs ont eu ce cas-là. Bah, tu sais, Peut-être, je tu sais pas. parlais d'Hudson, et eh bien je viens de voir un article qui confirme que Nintendo a racheté des parts de marché d'Hudson, et c'est Nintendo qui a édité le Bomberman 64, qui a été toujours développé par Hudson, mais ils se sont appropriés des actions d'Hudson en fait pour avoir des bénéfices à la vente. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas répertorié Hudson dans les éditeurs, parce que c'est Nintendo au final. C'est assez dingue hein, quand tu penses. Hein. Ouais, bien sûr. Après, bon, c'est bon, je pense que Nintendo a eu un énorme coup de pression au moment où la PS1 est arrivée. Ils ont eu énormément de retard. Donc, c'était un énorme risque aussi hein, de sortir la console, je sais plus, en 96, 97. Ouais, c'est 96. Après, ça dépend des pays, Ouais, c'est toujours pareil. bien sûr. Mais voilà, je pense que là, Nintendo, ils ont commencé à bien stresser comme il faut. C'est pour ça qu'ils ont sorti, enfin, ils ont continué à sortir des jeux Super Nintendo. Ils ont aussi sorti la Super Nintendo Junior pour prolonger la Super Nintendo en attendant la 64. Ouais. Donc je pense qu'à cette époque-là, ils avaient un gros coup de pression et puis voilà. Ouais, tout à fait. Nous, on l'a eu très tard, hein. En 97, la console, c'est vraiment, on a été Ouais, 97. les derniers des Mohicans, quoi, à ce niveau-là. Et y a un truc que moi, je regrette, c'est peut-être de ne pas avoir profité à une époque de certaines soldes où tu avais, tu sais, différentes consoles Nintendo, translucides, avec des couleurs différentes. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a vachement de charme. Le design était futuriste, tu vois. Enfin, tu parles de la console? Ouais, de la console même. À une époque, Ouais. ils ont sorti plein de couleurs. Des consoles translucides, des consoles dorées. Avec également, t'as des versions Pokémon qui sont sorties. Enfin, je trouve que Nintendo a vraiment été imaginatif pour. Un peu comme à l'époque de la Game Boy Color. Hein. Tu sais, ils ont fait plein de versions différentes. Et c'est un truc que t'as pas forcément chez Sony pour les skins, tu vois. C'est des skins perso que tu vas te faire, mais c'est pas officiel en fait, tu vois. Mais en fait, tu sais, moi, y a un truc que j'ai remarqué avec Nintendo, Ouais. c'est que, en fait, moi, je l'ai remarqué au moment où la Wii U est sortie. C'est que je me suis dit, attends, les mecs, ils sont en train de faire des jeux vidéo, des bons jeux vidéo, et surtout une grosse quantité de jeux vidéo à partir du moment où la console ne marche pas. La Nintendo 64, ça a été un demi-bide. Elle a pas alors de ce que j'ai compris, elle a pas très bien marché. Même si elle s'est bien vendue, mais elle s'est bien vendue parce qu'il y avait des jeux de qualité. Et en fait, c'est un peu la même chose avec la Wii U, parce qu'en fait, la Wii U, quand tu te rends compte, c'est que c'est une console au final qui s'est très mal vendue pour Nintendo. Mais quand tu regardes les jeux, il y en a eu. Il y en a eu une chier, hein. Il y a eu Ouais. de très bons jeux. Hein. Je rappelle pour certaines personnes, Breath of the Wild, à la base, c'est sorti sur Wii U, c'est pas sorti sur Switch. Et là, la Switch, elle marche de fou furieux. Nintendo, là, ils prennent pas de risques. Hein. Ils sont là en mode, ah oh, bah ça marche bien. Bon, écoutez, on va pas s'emmerder. Hein. On va pas Ouais. faire des jeux de fou furieux. Et je pense que la 64, elle a eu des jeux de fou furieux parce que la console. Elle arrivait trop tard, elle arrivait trop tard, et puis en même temps, il fallait sortir les jeux. Il fallait en sortir, il fallait garder aussi certains éditeurs et développeurs, parce que certains éditeurs et développeurs, ils sont là en mode, bon,
Nintendo, vous déconnez un peu parce que là, la PS1 est arrivée depuis 2-3 ans, nous on fout rien, il faut peut-être aussi remplir le frigo. Voilà, et donc je pense que Nintendo, là, ils étaient là en mode, bon, écoutez les gars, on va vous racheter à 20, 30, 40% pour que vous puissiez rester. Et c'est pour ça que je pense, hein, je pense que. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de jeux très diversifiés sur la 64, hein. Je trouve qu'il y en a eu beaucoup plus en termes de diversification. Je parle pas en termes de quantité, hein, je parle en termes de diversification. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de jeux diversifiés sur 64 que sur la Super Nintendo. Je trouve, hein, c'est un avis purement personnel. Ouais, en Europe, faudrait voir. Je pense que il y a eu différents genres qui ont été approchés, mais peut-être que certains genres ont été un peu oubliés dans les versions européennes, alors que sur Nintendo 64, ils ont peut-être traversé voilà les mers pour arriver chez nous. Mais c'est pas évident, j'en mettrais pas ma main à couper de ce côté-là, sachant que sur Super Nintendo, quand même, il y a des genres, il y a pas mal de puzzle games, il y a pas mal de jeux de courses hippiques, tu vois, des trucs vraiment lunaires, quoi. Après, Ouais, c'est. après c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est plutôt dire que Nintendo, quand ils ont sorti la 64, je trouve qu'ils ont pris beaucoup plus de risques que la que la que Que la la que la Super Dreamcast. Nintendo Que la Dreamcast, que ou la. que la Dreamcast, oui, Ouais, déjà. forcément. Mais parce que quand tu remarques bien un jeu tout con, genre par exemple GoldenEye, tu l'aurais jamais imaginé voir dans une console Nintendo. Nintendo à Ouais. la base, Oui, c'est un oui. public enfantin. Oui, à la base. Oui, ils ont élevé le niveau par rapport au public qui était déjà sur PlayStation, en effet. Ouais. En effet, moi, tu sais, c'est exactement ça. C'est le sentiment que j'ai eu avec la N64 quand je l'ai eu. C'était pour moi une console complémentaire avec la PS1. Et les jeux n'étaient pas les mêmes, mais avaient la même maturité dans le gameplay. Et là où sur Super NES, tu retournais vraiment dans de la 2D très enfantine, très édulcorée. Sur la N64, il y a beaucoup de jeux qui sont axés vraiment pour les adultes et la compétition, quoi. Les jeux de sport sont assez réussis. Ils sont jouables. C'est ça l'intérêt aussi, parce que si tu regardes des jeux PS1 qui arrivent au début de la 3D, milieu 95, ils sont pas forcément jouables les jeux. Alors que sur N64, tu prends un jeu de course comme Ridge Racer, comme Wipeout Fusion, c'est Fusion, ou, non, Wipeout 64 tout court, comme Hydro Thunder, les Extreme G, ils sont extrêmement jouables ces jeux-là. Et sur Super NES, t'avais beaucoup de jeux de course de Formule 1 qui étaient pas terribles du tout. T'avais beaucoup de jeux de plateforme qui étaient approximatifs, mis à part les jeux Nintendo. Et puis les jeux rares, hein, Donkey Kong, voilà, tout le monde sait, mais tu prends un autre jeu de plateforme sur la Super NES, il se compte pas forcément en centaines les bons titres. Et je trouve que la N64, il y a très peu de déchets dans la ludothèque, tu vois. Ouais, complètement. Mais en fait, moi je trouve que surtout la 64, je trouve que c'est une console assez dark. Ouais. C'est-à-dire, on a eu quand même des jeux assez. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout sur une 64, quoi? Genre, bah là, on a parlé de GoldenEye, on voit un jeu où il faut tirer sur des gens. Ok, Perfect Dark. Oh là Exen là, aussi, c'est. Exen, le Voilà, clone t'as des. médiéval, ouais. Voilà, et. C'est ça, et du coup, bah là, t'as des jeux comme ça, et tu te dis, mais c'est pas des jeux qui sont normalement sur le PS1, Ou sur genre, qu'est-ce PC, que ça là. fout sur une Ouais. 64 Ah ouais. Et puis Même d'un coup. un truc tout con, hein, genre, tu prends, genre, par exemple, Killer Instinct, qu'est-ce que Oui. ça fout là? Bon, après, le truc, c'est que Killer Instinct était déjà là sur Super Nintendo, mais un autre truc qui avait choqué certaines personnes sur 64, il y a qu'à voir Smash Bros. Qui aurait pu voir un jeu de combat avec Mario, Pikachu, Zelda et tout le bordel? Ouais,
Ça, c'est un vrai risque, en effet. C'est pas sûr que ça plaise au début. Ça, ouais, ça c'est ça pour moi, ça c'est un vrai risque, hein. Ça c'est un truc où Nintendo, ils se sont dit, les gars, est-ce qu'on va faire taper nos personnages dans un jeu de combat, hein? Ouais. Et à la base, ça, en fait, Smash Bros, c'était même pas un jeu de combat, c'était un party game, hein, à la base. Et tu veux que je te raconte une anecdote sur Smash Bros? On avait un, c'est-à-dire que nous, on avait la PlayStation 1 à l'époque, et avec tout ce qui était jeux gravés, donc on se la racontait un peu, on pouvait jouer à tout gratuitement, etc. Et on avait un pote qui continuait d'acheter les jeux, et il les finissait en une semaine ou en 3 jours. Il les ramenait sur Paris ou dans une boutique pour faire un échange à chaque fois. Et un jour, il va chez la boutique Obi-Wan qui est sur Paris, boulevard Voltaire. Il était très pote avec le gérant, qui s'appelle toujours Jérémy d'ailleurs, est toujours là. Et le mec lui avait vendu Smash Bros comme l'évolution graphique maximale de la N64 à l'époque. Donc il a acheté le jeu les yeux fermés, il avait échangé. Lui, il adorait les jeux PS1 japonais. C'est-à-dire qu'il allait acheter de l'import sur République, il a fait Final Fantasy VII en japonais en import. Avec les guides qui étaient vendus, qui étaient aussi en japonais, mais grâce aux photos et grâce aux vendeurs à l'époque, il a réussi à terminer FF7 avec les courses de Chocobo et tout le bordel en japonais. Donc c'était un peu un extraterrestre, le gars. Et donc, il avait ramené un jeu PS1 qui coûtait déjà très cher en import pour se prendre le Smash Bros sur la N64, là. Il rentre à la maison, il nous appelle, il nous dit: Ouais, les gars, j'ai récupéré Smash Bros, c'est le plus beau jeu de la console, il n'y a pas mieux, etc. On voit le truc et on lui dit: Mais t'es sérieux? Le truc, il ressemble à rien en fait, il n'y a rien de spécial quoi. Et sincèrement, en fait, nous on a pensé, hein, pendant des années et des années, que le jeu avait été gonflé au niveau de la note. Dans les magazines pour faire vendre le produit, parce que tu regardes Super Smash Bros le premier, sincèrement, qui sort. Alors là, je vois la date, il sort au Japon en janvier 99, il arrive chez nous en novembre 99, soit pratiquement un an plus tard. Hein. Et bah, graphiquement, le jeu, il met pas une claque du tout. Et nous, on le trouvait très 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 moyen, voire mauvais, le jeu. Hein. Alors je sais pas ce Ah qu'aujourd'hui ouais. ça représente pour les gens. Mais quand il est sorti, on s'est un peu foutu de la gueule du jeu, hein, et tout le monde, hein, tous les ados, hein, il a plus parlé aux enfants, peut-être, ce jeu-là, tu vois. Ouais. Enfin, Ouais, je pense, puisque bah forcément quand tu regardes à l'époque de la N64 et de la PS1. Tous les adolescents, enfin, j'imagine, hein, tous les adolescents à cette époque-là voulaient jouer une PS1. T'allais pas lui filer une manette avec trois pattes et jouer un jeu de combat avec Mario et Zelda. Ouais, et puis il y avait plein de touches, hein. Alors il y avait beaucoup de boutons sur la manette pour jouer à Super Smash Bros, mais au final tu utilisais que 2 touches pratiquement pour taper, pour sauter, et puis mais les coups spéciaux, les coups spéciaux, on les avait pas, il fallait acheter un magazine ou un guide pour les connaître, en fait. C'est un peu ça le problème. Mais sinon, voilà, pour revenir au sujet, toi, c'est quel jeu, en fait, dont tu voudrais parler en premier, par exemple? Qui Ben t'arrive? en premier ça va être du coup Mario Kart 64, hein, comme je l'ai dit au départ. Alors Mario Kart 64, il faut savoir que ce jeu, donc j'ai alors tous les jeux 64 qu'on m'avait donné, ils étaient tous en loose. Il y en avait un seul qui était en boîte, que je vais dire tout à l'heure. Et je ne sais par quel miracle je l'ai eu en boîte. Mais donc Mario Kart 64, c'est mon tout premier Mario Kart. Je l'ai reçu donc avec parce que quand ma cousine m'avait donné donc la 64, elle m'a pas juste donné la console, elle m'a donné une caisse De jeux. avec la console, les manettes et quelques jeux, tu vois. Donc C'est il y sympa. avait de quoi faire. Ouais, sympa. Et voilà. Et donc ouais, donc j'ai branché, je joue au jeu. Et là, je vois le jeu, je vois le train qui passe, tu sais,
il y a un niveau qui s'appelle le désert de Kalimari, et je Ouais. vois le train qui passe, et ça, tu vois, rien que ce train qui passait comme ça, là, ça m'a pas troublé, mais c'est-à-dire que ça m'a marqué, en fait, tu vois. D'accord. Ça m'a marqué, et genre, je vois Mario, je vois Mario avec son petit kart et tout, et quand je finissais de jouer, bah souvent en fait mon père me donnait des crayons couleurs, des dessins, même genre de la pâte à modeler, et en fait je refaisais des cartes, en fait je refaisais les cartes de Mario Kart 64 comme ça en pâte à modeler, en sculptant et tout, Excellent. en redessinant les personnages, en créant des circuits et tout. Excellent. Et je me souviens, il y a une fois, mon père, il a vu que j'étais tellement fan de Mario Kart 64. Mon père, il est donc artiste peintre. Ouais. Et à cette époque-là, il avait vu une... alors, je sais plus, je crois que c'était dans un magazine ou alors une affiche publicitaire, une affiche promotionnelle pour le jeu Mario Kart 64. Mais en gros, alors, si vous arrivez à retrouver cette image-là, c'est en gros, c'est Mario qui est en train de conduire avec un kart, Ouais. et tout autour, tous les personnages sont minuscules, et en fait, il lève le bras, donc, et il tient un truc à la main, et ce truc, c'est un éclair. D'accord. Et tu vois Mario qui est en train de tenir l'éclair et tout, et donc, bah, tous les personnages autour, sont minuscules. Ouais. Et du coup, mon père avait peint, il avait refait en tout cas l'image promotionnelle, mais en tableau. Excellent. Tu l'as encore ou pas? Et alors malheureusement, je sais pas du tout je sais pas du tout qu'est-ce qu'il en a fait. Même lui, il sait plus, parce que ça date, il y a plus de... Ouais, plus de Ouais, il y a plus 25 de... ans. Ouais, à peu près 20... Ouais, 20 ans. 20 ans, ouais. 20 ans, ouais. Ouais, Et tu m'étonnes. ouais, il l'avait peint, ouais. Ouais, c'est génial, ça, cette histoire-là. Ouais. Mais c'est marrant parce que, tu sais, les gens, ils aiment bien acheter des trucs tout faits dans les magasins de goodies. Et je trouve que parfois, quand tu crées quelque chose de ta propre main, ça a beaucoup plus de côté affect au niveau de ton décor, de ta gaming room ou autre, tu vois. Et moi, je suis pour ça, en fait. Je suis pour. Par exemple, de mon côté, tu vois, j'avais fabriqué deux maquettes de Star Wars avec la barge de Jabba et puis le Sandcrawler que j'avais fait. Et j'ai toujours, en fait, la barge de Jabba et j'en suis fier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que l'histoire de Mario Kart là, avec ta pâte à modeler, tout ça, tu serais capable de refaire un diorama avec un mini circuit et puis des petites un peu mieux fait bien sûr que quand t'avais 6 ou 7 ans, tu vois. Bah écoute, peut-être, Faut peut-être, tenter, hein, faut je pense. tenter, hein. On sait jamais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui font bien des pixel frames, tu sais, dans les tableaux à double fond, là, où tu peux mettre des effets 3D. Et ça donne bien, c'est pas mal aussi. Et donc, ouais, Bah du Mario, coup, ouais, vas-y, vas-y. je t'ai envoyé l'image, je l'ai retrouvée. D'accord, bah écoute, je vais la choper, je l'insérerai. Alors moi c'est vrai que moi de mon côté, tu vois, quand tu fais le rapprochement par rapport à ton histoire, moi à chaque fois ça a été... je suis passé par la caisse achat en fait. J'ai jamais eu de don de mon côté pour récupérer des consoles gratuites ou des choses comme ça. C'est peut-être plus mon frère qui en a profité grâce à moi. Par exemple ma Super NES elle est restée avec mon frère et mes parents pendant peut-être 10 ans. Avant qu'il me la redonne, la Xbox c'était pareil. Enfin, je lui avais laissé pas mal de consoles derrière. Il en a bien profité, il a pu jouer un peu tout. Donc pour la N64, moi je suis passé par la caisse achat à chaque fois. Et j'ai pas eu en fait ce plaisir de me dire tiens, je vais jouer un peu gratuitement. En fait, non, ça a été toujours des décisions difficiles. Parce que. Tu sais, à l'époque, tu avais la PS1, il y avait également la... Comment dire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait encore la Super Famicom que j'avais. Donc pour moi, acheter un jeu N64, c'était que du lose, comme toi.
Bah, la console, moi, je l'ai achetée tard. Je l'ai achetée tard d'occasion. Ça m'a pris après un Noël. Je crois que c'était en. Ça devait être. Ça devait être en 98. Ça devait être un an après la sortie de la console, en 98, au mois de décembre. Je suis allé sur Paris. Bah, je suis allé également chez Obi-Wan à l'époque. J'avais acheté la console en loose avec ISS, le jeu de football. J'avais pris peut-être un ou deux autres jeux, genre GoldenEye ou je sais plus quoi. Mais ouais, c'était des décisions réfléchies à chaque fois. C'était compliqué. J'ai été assez satisfait, mais tu vois, le jeu qui m'avait marqué la première fois, qui m'a fait me dire, tiens, je veux cette console, pour moi, c'est Wave Race, le jeu de. Tu sais, Ah ouais, oui. jeu de jet ski. Celui-là, franchement, peut-être comme toi, pour le Mario Kart, moi, ça a été Wave Race, le jeu vraiment qui m'a impressionné avec les mouvements des vagues. J'ai trouvé ça vachement impressionnant, moi, tu vois, pour l'époque. Parce que sur PS1, je suis désolé, mais n'importe quel jeu de jet ski, c'est dégueulasse. C'est, faut dire la vérité, hein. C'est le mouvement des vagues, la pixelisation. Tu sais, tu vas sur une vague, tu te prends 4 pixels dans la gueule, tu vois plus rien. Alors que sur N64, c'est propre, c'est fluide, le flou amène un côté naturel à l'image, ça on n'en parle pas, tu vois, mais t'as plein de jeux qu'on bénéficie de cet effet de flou, tu vois, contrairement à ce qu'on pense, Ah oui. au côté naturel. Et j'ai passé des heures, bah oui, j'avais dû acheter Wave Race d'ailleurs, et ce jeu, j'y ai joué mais des heures et des heures, alors que j'avais une PS1 avec des jeux gravés. Par quarantaine, tu vois. Et je préférais jouer à ce jeu-là parce que pour moi, le plaisir de jeu que Nintendo a toujours su faire partager, eh ben je l'ai retrouvé après avoir eu une Game Boy au tout début chez Nintendo. Après j'ai eu une Super NES. Mais là, franchement, la N64, pour moi, c'est une console où j'ai jamais été déçu d'avoir eu un jeu, tu vois. Contrairement à la Saturne. La Saturne, pour moi, c'est. Ça a été une déception totale de A à Z, mis à part un ou deux jeux. Cette console, ça a été un four total pour moi, cette console, tu vois. Ah bah oui, j'imagine. Voilà. Mais donc voilà, et tu vois, le fait d'aller à Paris et te dire, tiens, je vais prendre un super jeu de foot qui n'existe pas ailleurs, un super jeu de jet ski qui n'existe pas non plus sur d'autres consoles. D'un point de vue technologique et technique, dans le jeu vidéo, c'était un plaisir énorme d'aller récupérer cette console, même si ça coûtait cher à l'époque. J'ai été extrêmement satisfait de mon achat à l'époque, alors que j'avais tout ce que je voulais du côté de la PlayStation, tu vois, c'est un paradoxe. Enfin, voilà. Et sinon, pour ton deuxième jeu, quel jeu dont tu veux parler? Alors, juste pour revenir sur Mario Kart 64, Ouais. j'ai juste une petite anecdote. Vas-y, vas-y. À la base, Mario Kart 64 ne devait pas s'appeler comme ça, il devait s'appeler Super Mario Kart R. D'accord. Voilà. Ouais. Pour le deuxième jeu, alors, ça aussi, ça c'est un jeu qu'on m'a donné, pareil. Ouais. Là, je vais parler de F-Zero X. Ah, excellent. F-Zero X. Alors, ce jeu-là, ne me demande pas comment je l'ai eu. D'ailleurs, c'est. Alors, c'est. Je ne sais pas comment je l'ai eu. Parce que je ne l'ai pas eu de la part de ma cousine. Je ne me D'accord. souviens plus du tout de comment je l'ai eu. Et en plus, je l'ai eu avec boîte. Alors, je ne l'ai pas eu avec notice. Mais j'ai gardé pendant très longtemps la boîte. D'accord. Et je me souviens. Alors là, j'étais. Là, je devais avoir peut-être 7. 6-7 ans. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, en fait, tout le monde voyait que j'étais pas à fond dans tout ce qui était Wii, Xbox 360, même si j'avais une Wii et que je jouais de temps en temps, mais j'étais vraiment à fond sur les jeux rétro, Ouais. et particulièrement à la 64. Ouais. Et un jour, on me donne F-Zero X. Ouais, je devais avoir 7-8 ans, et là, je vois le jeu, je fais waouh! Incroyable! J'étais sur le cul, j'ai vu la vitesse du jeu. Ouais, tu Mais je m'étonnes. te jure,
Et genre, je joue au jeu, je me dis, mais ton Mario Kart, tu peux le foutre à la poubelle. Sans déconner. Je vois le jeu, je fais, mais mec, mais ça va tellement vite. Mais c'est un truc de malade. Mais ça, Et les plus tard, enfants. après, genre... Après, genre, quelques années plus tard, j'ai eu, genre, le... Comment ça s'appelle? Le GX, le F-Zero GX sur GameCube. Ouais. Là, ça a été puissance x10. Mais déjà, rien que le F-Zero X, je m'en souviens, j'avais joué à ce jeu-là. Et genre, je voulais passer genre des heures et des heures parce que le jeu, il était putain de dur. Hein. Ouais. Ah, il était horriblement dur ce jeu, c'était un truc de fou. Mais je sais pas, l'ambiance, le son, enfin, les différents sons, les bruitages, quand tu entends aussi le mec, quand tu passes à chaque ligne d'arrivée, Ouais. t'entends genre le commentateur qui dit. You got the... Non, il dit quoi déjà? Il dit You got boost power, tu vois? Ouais. Et genre, je me dis, waouh, c'est trop stylé et tout. Et genre, t'accélères et tout. Et genre, les circuits, même s'ils sont un peu vides, tu vois, mais. À Ouais. cette époque-là, wow, je trouvais ça extraordinaire comme jeu. Ouais, Extraordinaire. tu voyais. En fait, Nintendo avait été malin parce qu'ils n'avaient pas affiché à longue distance le décor. Et c'est ça qui avait créé de la vitesse. Dans le gameplay, tu vois, parce que plus tu affiches une longue distance en 3D, plus la mémoire va être sollicitée et ta console va avoir du mal à gérer. Mais là, Nintendo, si tu te souviens des circuits, les bouts du circuit au loin apparaissent au fur et à mesure. Il y a un peu de clipping, Ouais. mais c'est très bien fait. C'est très bien fait grâce à l'effet de flow, tu vois. Et quand tu joues Non, sur franchement, ouais, émulateur. Ouais, je disais là, quand. franchement, là, pour le coup, mais là, ils ont super bien réussi le jeu. En tout cas, pour moi, ouais, moi, je le trouve réussi. Hein. Oui, il est excellent. Il est. Pour moi, il est concurrent de direct de Wipeout sur la PS1 et il le dépasse. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, largement. Moi, je me souviens, enfin, mon père avait une PS1 Ouais. et il avait genre Wipeout. Wipeout 2000, je sais plus combien, 97. 2099. Ouais, 97. Ouais. Il avait celui-là et tout. Et alors, ce Wipeout-là, en fait, je l'ai eu avant F-Zero-X. Donc, D'accord. je joue au jeu. Voilà, enfin, j'ai joué genre pas longtemps, tu vois, mais vite fait. Je joue au jeu, je fais putain, mais on s'emmerde quoi. Genre limite, putain, mais enfin, genre les véhicules, mais c'est presque genre bah, du tractopelle quoi. Genre, je me dis, mais avance! Ah. À chaque fois que tu te prends un mur, mais le véhicule est ralenti de fou et tu te dis, mais avance, bordel! Et Ouais. là, dans F-Zero X, mais ça n'a rien à voir. Tu peux te prendre tous les murs du monde, le machin, il trace. Il trace quoi, c'est hallucinant. Ouais, il va vite. Après, Wipeout, c'est un gameplay progressif. Au début, tu commences avec un vaisseau qui va pas très vite. Ensuite, tu débloques des courses plus rapides. Avec des vaisseaux plus rapides, pardon. Mais moi, je trouve que Wipeout 2097, c'est un espèce de Ridge Racer avec un vaisseau, en fait. Tu rebondis sur les bords. Il n'y a pas forcément de réalisme plus que la gravité, quoi. On intègre la gravité dans le jeu, ok, mais c'est du Ridge Racer en fait avec un vaisseau. C'est un peu ça les limites du jeu, quoi. Voilà. F-Zero, c'est de la vraie Ouais, je sais course. pas, mais même quand tu passes sur les boosts dans Wipeout, t'as Ouais. pas l'impression que genre ton véhicule enfin comment dire, il accélère quoi. Bah oui, c'est. Disons que. C'est un jeu Wipeout. Je trouve que le 1 avait posé les bases vraiment très respectives pour un jeu de course futuriste avec plein d'éléments. Je pense que le jeu a atteint son paroxysme une fois qu'il est sorti sur la PS3 dans les versions HD qui étaient hyper fluides, 60 images par seconde, tout ça, c'était magnifique. Mais même la PS2, elle a eu ses petites limites, on va dire. Mais comment dire, ce qui me dérange en fait dans les Wipeouts, que moi je les ai terminés, mais dans les versions les plus difficiles, quoi, difficultés les plus hautes, en battant des records, je battais mes propres records en time attack, etc. J'adorais. Mais
L'ennemi en fait dans Wipeout, c'est pas les adversaires, c'est le circuit. Parce que les ennemis sont vraiment insipides en fait. Il n'y a pas de challenge avec les ennemis, c'est ça que je trouve dommage. Ouais, c'est ça, ils sont complètement cons. Ouais, ils te rentrent dedans même. Ils cherchent même pas à t'éviter s'ils sont devant, Hein. s'ils sont derrière ou devant. Ils vont se mettre en plein milieu de la route et ils bougeront pas. Il n'y a pas d'intelligence en fait. Ils suivent un rail. C'est. Enfin bon, c'est pour moi, c'est un challenge de vitesse sur un circuit, mais c'est pas une vraie course dans le sens où les ennemis ne sont pas du tout intelligents au niveau de l'IA. Voilà. C'est un peu ça qui est dommage. On n'est pas sur un jeu de Formule 1, on est plus dans un challenge de comment dire de prise de puissance grâce à l'inertie, grâce à la gravité. Mais il y a un truc qui me manquait. Moi, j'ai toujours trouvé ça. C'est un bon jeu, mais il manque quelque chose à chaque fois dans tous les Wipeouts. J'ai toujours trouvé ça. Enfin, bref. Mais ouais, en effet. Et donc le F-Zero, tu l'avais comparé avec Extreme G? Je connais pas. Bah, c'est un autre jeu du même genre. T'es sur une espèce de moto futuriste qui vole au-dessus un peu de la. Enfin, elle vole pas, elle est sur la piste. Mais c'est un copier-coller. Enfin, c'est un copier-coller, c'est un grand mot. C'est dans l'esprit d'un Wipeout, entre une course de moto et entre un Wipeout, en fait, tu vois. Et ça va très D'accord. très vite. Ça va très très vite. C'est pas forcément hyper maniable. Mais, enfin bon, moi après qui adore les courses de voitures de tous les genres, hein, je l'ai essayé et il est pas mauvais. C'est pas mauvais ce qu'ils ont fait. Même si. Ah ouais, je vois, ouais, il a l'air pas mal. Même s'il y a mieux, quoi, c'est toujours pareil. Tu peux toujours trouver des choses plus sympas et différentes. Ouais. Et tu vois, moi, pour te parler d'un jeu qui m'avait vraiment marqué, parce qu'à l'époque, enfin, je suis toujours fan de catch, hein, même si je regarde absolument plus ce qui se passe à la télé, mais je cherchais un bon jeu de catch à l'époque. Alors j'avais fait moi tous les WrestleMania, tous les WWF sur Super NES, Super Famicom, en import. J'avais fait également des versions sur Master System, Pro Wrestling. J'avais fait quoi d'autre? Oui, j'avais fait sur Atari ST. J'avais essayé WWF WrestleMania. J'avais essayé d'autres titres, même sur Game Boy. Et bon, c'était très très limité. Et là, je tombe en fait sur l'époque de Canal+, où ils diffusaient le catch à la télé avec. L'époque du Rock, de Triple H en 99-2000. Et il y a un jeu de catch qui sort sur N64. C'est WrestleMania 2000. Je crois qu'il s'appelle le jeu. Et ce jeu, il est exceptionnel dans comment dire, la diversité des coups que tu peux réaliser à l'écran. Sachant que c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs sur PS1. T'as un jeu de catch, mais sincèrement, WWF Attitude, WWF Raw, tout ça qui était déjà sur PS1 depuis un petit moment, il ressemble à rien. Les personnages, c'est des polygones qui s'entremêlent avec. T'as la qualité sonore en fait, des musiques d'entrée des catcheurs qui est là, voilà. Et sur N64, la panoplie de coups qu'il y a, le mode story, le mode carrière. Enfin, les options des modes de jeu, Royal Rumble, etc. Il y a tout. Et c'est exactement les personnages qu'il y a à la télé actuellement. Tu vois, c'est l'actualité du sport américain sur ta console. Et ce jeu m'a fait garder ma Nintendo 64. Parce que, tu sais, on est en octobre. Alors là, je vois la date. C'est octobre 99 qu'il arrive chez nous en Europe. Et moi j'avais la console depuis un an et je me demandais si j'allais la céder ou la vendre ou m'en débarrasser, je ne sais pas. Et je tombe sur ce jeu en allant à Score Games qui se trouvait à Jussieu
à Paris et je tombe en fait sur ce WrestleMania 2000 en rayon, en neuf. Alors que, tu vois, pour la petite histoire, tu sais ce que j'étais parti faire à Score Games, tu vas rigoler, hein. Alors, je vais revérifier dans le magazine, enfin dans le bouquin. J'étais parti acheter les Pokémon sur Nintendo 64, je te promets. Et Ah ouais. ouais, je te promets. J'étais parti acheter en fait Pokémon 64 là, parce que tout le monde en parlait. Et moi, je savais pas quand il sortait le jeu. Donc, à l'époque, si tu veux, je vais un peu comme un noob. Alors, je crois que d'ailleurs WrestleMania 2000, je l'ai pas acheté à la sortie, je l'ai acheté beaucoup plus tard, hein, peut-être 6 mois plus tard. Et j'arrive, ouais, ça devait être, là tu vois, je vois la date, avril 2000, Pokémon Stadium. Et j'ai dû aller au mois d'avril sur Paris pour essayer de l'avoir. Il y en avait plus, ils avaient déjà tout vendu. Et donc je me dis, tiens, vu que je suis là, je vais chercher, je vais regarder les rayons, et je vois WrestleMania 2000. Alors je reconnais les catcheurs, mais je sais absolument pas ce que c'est le jeu. Je regarde les photos et tout, je fais, waouh, ça a l'air pas mal, ça a l'air cohérent, c'est bien dessiné, tout ça. Et je vois qu'il y a une tonne de catcheurs, il y a une tonne. Et je rentre chez moi, je mets le jeu, je te promets, j'ai joué à ça 24 heures sur 24, pendant peut-être 2 mois. En fait, Ah ouais. ah non, mais c'était exceptionnel. Exceptionnel, t'avais les entrées des catcheurs, t'avais tous les personnages, t'avais des storylines, les musiques d'entrée qui étaient en espèce de mono compressé 24 bits dégueulasse, mais les musiques étaient là, tu vois. Mais franchement, un gros kiff ce jeu, et toutes les touches de la manette étaient utilisées. Tu vois le nombre de touches qu'il y a sur une manette 64, c'est énorme, tu vois. Ah ouais, Et bah oui, forcément. voilà. Et moi, pour les fans de catch, je vous conseille de commencer par WrestleMania 2000, même si après il y a eu WWF No Mercy, qui était largement mieux. Mais le WrestleMania 2000, il est numéro 2 dans la hiérarchie des jeux de catch sortis. On va dire avant 2001, voilà. Après, t'as les jeux PS2 qui vont un peu calmer tout le monde, bien sûr, mais enfin bon, voilà, c'était une aparté de mon côté pour ce titre-là, voilà. Et ouais, donc toi, après ton troisième jeu dont tu voulais parler, c'était lequel? Alors, le troisième, ça va être un jeu qui est complètement inconnu, qui s'appelle Chameleon Twist 2. D'accord. Alors, est-ce que tu le connais, ce jeu? Est-ce que c'est un jeu de plateforme? Oui. Ouais, ben ça me dit quelque chose, mais je vais regarder les photos et je vais voir ce que c'est en direct, comme ça. Vas-y, parle-moi-en. Alors, je vais parler de Chameleon Twist 2 et pas du 1. D'accord. Parce que le 1, c'est une merde absolue. C'est dégueulasse graphiquement, ça donne pas envie. Moi, j'ai eu le 2, j'ai pas eu le 1. Et il D'accord. faut savoir que ce jeu-là... Alors, ce jeu-là, en fait, je l'ai eu... Alors, je me souviens vaguement, on était dans une fête foraine. On était dans une fête foraine avec mes parents. Et puis, en fait, tu sais, comme dans toutes les fêtes foraines... Quand tu gagnes un jeu, une connerie du genre, tu reçois un cadeau, une peluche ou des conneries du genre. Ouais. Et là, en fait, il y avait mon père qui était en train de jouer à donc un jeu. Alors, je sais plus si c'était le jeu de canard ou un jeu de tir ou je sais plus trop quoi. Il joue et là, ce qui se passe, c'est qu'il gagne Ouais. et il gagne ce jeu. D'accord. Donc, on lui offre ce jeu N64. D'accord. Et qui s'appelle Chameleon Twist 2. Et donc, mon père, il m'offre ça, il me dit, ah oh, tiens, regarde, le jeu, il est trop bien et tout. Ouais. Il dit ça comme si c'était un exploit, tu vois, bah parce qu'il a gagné le lot, tu vois. Ouais. Je joue au jeu, et je fais, mais c'est de la merde, ton Ah jeu! mince. C'est de la merde! Qu'est-ce que c'est que ça? On contrôle une espèce de caméléon qui tire la langue et qui doit passer de plateforme en plateforme, tu vois. Ah oui. Et c'était et pour moi à cette époque-là, je trouvais ça mais pourri de ouf. Et puis au fil du temps, parce qu'en fait à un moment donné, je me souviens, j'avais joué, enfin je jouais beaucoup à Mario 64 et à un moment donné, en fait, la cartouche elle lâche.
D'accord. Et ça me faisait trop chier. Elle a lâché la cartouche, donc elle était morte. Ouais. Et du coup, il me restait quelques jeux 64 qui fonctionnaient. Donc, il y avait encore le Mario Kart 64, le F-Zero X, et notamment ce Chameleon Twist 2. D'accord. Et donc, je me force à jouer à ce jeu. Je joue à ce jeu. Et je fais, mais au final, il est pas si mal que ça, en vrai. Hein. Il est vraiment pas mal. Mais en fait, quand tu vois le jeu, franchement, quand tu vois le jeu pour la première fois, tu te dis, ouais, c'est éclaté au sol, ça donne pas envie et tout. Mais au final, plus tu avances dans le jeu, plus tu te dis, et là, je le comparais à un autre jeu, qui est pas du tout de la même génération, je le comparais à Super Mario 3D World, qui est D'accord. sorti sur Wii U. Et pourquoi je le compare à Super Mario 3D World? C'est parce que, en fait, j'y ai rejoué récemment. Alors récemment, c'était il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Je joue au jeu, je fais, mais attends, mais c'est Super Mario 3D World. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les plans de caméra, c'est exactement le même jeu. Le gameplay, c'est exactement le même jeu. D'accord. Même certains sound design, même certains ennemis. Mais surtout, en fait, ce qui fait le rapprochement, c'est surtout les plans de caméra et le D'accord. gameplay. Ouais. Parce que ce jeu-là a différentes phases de gameplay. Un coup, tu vas te retrouver en top-down. Un coup, tu vas te retrouver dans un niveau de glace. Un coup, tu vas te retrouver dans un niveau où il y a beaucoup de vent. Un coup, tu vas te retrouver dans des plateformes qui disparaissent, apparaissent. Enfin, c'est ultra diversifié et je trouve que c'est un jeu qui est ultra sous-coté. D'accord. Et en fait, c'est un jeu qui m'a marqué au départ comme un jeu ultra mauvais, ultra pété. Ouais. Et à force d'y jouer, je me dis, mais en fait, le jeu, il est excellent, quoi. Il est super. Alors, forcément, si vous jouez à ce jeu, vous allez vous dire, ouais, c'est bateau comme jeu, c'est pas terrible, c'est ultra cliché et tout. Mais franchement, faites-le. Faites-le une fois, comme ça. C'est pas très long. Je crois il y a à peine 6 niveaux. Ouais. Le seul truc négatif que je pourrais reprocher au jeu, c'est peut-être au niveau compréhension gameplay. Parce qu'il y a des phases de gameplay que tu comprends pas trop. Tu comprends pas trop ce qu'il faut faire, même s'il y a des indications. Tu sais, t'as des petits panneaux où genre. Il te montre la manette pour te dire, ok, tu dois appuyer sur A et maintenir Z pour tirer la langue et Ouais. en même temps faire une espèce de looping. La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai énormément galéré. Hein. Ouais. J'ai énormément galéré. Il était quand même assez dur, pas en termes de difficulté, mais on va dire en termes de compréhension, on va dire de maniabilité. Ouais, des Mais possibilités. voilà, le jeu, il n'est pas très long, il y a à peine 6 niveaux. Après, ça, c'est le premier défaut, c'est la maniabilité, c'est la compréhension. Mais le deuxième point noir, on va dire, c'est les boss. Les boss, ils sont malheureusement répétitifs. Ah, d'accord. Mais Voilà. je suis en train de voir là, c'est un jeu qui a été vendu à 50 000 unités dans le monde quand même. Ouais. C'est pas un petit Ouais, jeu, ouais. entre guillemets, quoi. C'est pas un petit jeu, et c'est pour ça que vraiment. Bah forcément, parce qu'à cette époque-là, je me suis dit, bon, c'est éclaté au sol et tout. Et en fait, je regarde le nombre d'unités, je fais, et merde, j'aurais pas dû le vendre. Oh bah non, on est Voilà. d'accord que n'importe quel jeu N64 aujourd'hui c'est en boîte complète c'est assez cher hein. C'est une des consoles les Ouais. plus chères dans la collection hein. Ça c'est clair et net hein. Clair et net, il y a pas de petits jeux petite cote hein, sur cette console hein. C'est impressionnant je trouve. Impressionnant. Tu vois alors toi tu as eu des bonnes surprises toi je trouve avec ce genre de titre, au final, que t'aimais pas au début, et après t'es revenu dessus par obligation, parce que l'autre marchait pas. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai eu des déceptions avec par exemple Donkey Kong 64, et je m'attendais pas à un truc comme ça. J'ai pas eu l'impression de jouer à Donkey Kong. Moi je m'attendais à un jeu en 2D, quoi, vu de côté, avec une profondeur un peu comme. Je m'attendais à un truc. Comme ce qu'ils ont fait beaucoup plus tard sur la Wii pour Donkey Kong, tu vois. Et Ouais. je me suis retrouvé avec un machin
qui était. T'as l'impression que c'était à la base un autre jeu qui était prévu. Ils ont changé les sprites pour mettre un singe, pour mettre Donkey Kong, tu vois. J'ai eu cette impression là. Et j'ai pas accroché. Et pourtant, aujourd'hui, bah, dans ma petite collection N64 où j'ai que des jeux loose, et ben le Donkey Kong, bah, je l'ai en boîte. Alors que j'ai pas forcément. C'est un truc que j'ai pas forcément voulu, entre guillemets, quoi. Mais il a été produit à tellement d'exemplaires. Il a été vendu à plus de 5 millions 200 000 exemplaires dans le monde. Vendu. C'est incroyable, quoi. Et c'est la marque qu'a vendu, quoi. Alors que tu regardes d'un autre côté, t'as des jeux comme Donald Duck, Quack Attack, là. Il y a eu que 100 000 unités de vendues. Sur la N64, parce que c'est un jeu qui est sorti sur Dreamcast et PS1. Mais le jeu. Donald Duck, pour moi, c'est un meilleur jeu que Donkey Kong 64, même si, voilà, après, c'est subjectif, hein. Mais je m'amuse moins, en fait, sur un Donkey Kong 64 que sur un Donkey Kong Country de la Super NES. Voilà. C'est un peu ça. Après, forcément, après, je trouve que le Donkey Kong 64, malheureusement, ça a été. En fait, c'est un jeu où tu te perds rapidement, en fait. T'es là comme ça, il y a plein de portes, il y a plein d'endroits, tu te dis, mais où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il y a je ne sais pas combien de bananes avec plein de couleurs et il faut chercher je ne sais pas combien d'objets à droite à gauche. Enfin, vraiment, enfin, je trouve ce Donkey Kong 64, c'est le bordel. C'est ça, c'est C'est ça. un bordel monstrueux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, pour un jeu que j'ai vraiment kiffé par contre, et que j'avais fait sur Dreamcast, c'était Hydro Thunder, la course de hors-bord, en fait, des bateaux rapides de course, là. C'est un jeu d'arcade à la base de Midway, et il a été fait sur N64, et je peux te dire que ben, le jeu, il est vraiment impressionnant pour la console, avec l'expansion pack, il tourne bien, parce que c'est un jeu qui a besoin, en fait, de l'expansion pack. Et sincèrement, c'est un tour de force qu'a fait Midway pour le faire marcher sur la N64. Parce que si tu regardes le jeu, ok, c'est pas un Wipeout, c'est pas un F-Zero, mais il y a tellement de détails à l'écran que le jeu est très demandeur et ils ont dû booster la cartouche pour pouvoir le faire fonctionner. Et franchement, c'est un bon jeu de course à essayer dans l'ambiance. Splashdown avec des. Tu sais, Splashdown sur PS1, le premier, mais avec des hors-bord, en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là, qui pour moi est pas forcément un mauvais jeu, mais il est mieux en arcade, c'est évident, après, voilà. Voilà. Bien sûr. Enfin, voilà. Après, toi, ton ultime jeu dont tu voulais parler, c'est lequel? Alors, je précise juste quelque chose à propos de Chameleon Twist. Vas-y. Quand j'ai eu ce jeu, je ne sais pas si c'était un jeu officiel ou pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que la cartouche, il n'y avait pas d'étiquette dessus. Ah, d'accord. Il n'y avait pas d'étiquette. Ouais. Donc, je ne sais pas si au final, l'étiquette a été arrachée ou quoi, mais il n'y avait pas d'étiquette dessus. Ah, c'est possible hein, qu'elle ait été arrachée, hein. C'est possible, hein. Je sais pas. C'est peut-être la cause Je sais pour. pas si c'est une version officielle ou une version hackée ou quoi, mais j'ai eu le jeu sans l'étiquette. Bon, de toute manière, tu l'as plus aujourd'hui, donc tu pourras pas revérifier, quoi. Bah oui. Et donc je parlais de mon ultime jeu qui est pour moi, et je ne veux rien savoir. Je ne Ah veux ouais? rien savoir. Pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire, ouais, la Super Nintendo, incroyable, je kiffe, j'adore. FF6, incroyable. Super Mario World, waouh. Pour moi, c'est les meilleurs jeux de tous les temps. Ou même, genre, tu sais, la nouvelle génération qui commence à dire, oh waouh, Elden Ring, fou furieux, etc. Non, les gars, non, non, non. Le meilleur jeu de tous les temps, ça se passe sur 64. Et c'est Conquer Bad Fur Day, voyons. Ah bon? C'est le meilleur. C'est le meilleur jeu de tous les temps. À ce Alors, il point-là. faut savoir que ce jeu-là, je ne l'ai jamais eu. D'accord.
Je l'ai jamais eu physique, pas de boîte, pas de notice ou quoi. Et c'était à l'époque où je jouais principalement sur émulateur. Alors bon, hein, certains vont me dire, ouais, t'as jamais eu le jeu, tu l'as pas eu sur console ou quoi, donc ça compte pas. Hey, les gars, c'est bon, hein. J'ai eu une Mega Drive, j'ai eu une Super Nintendo, j'ai eu plein de consoles rétro, et à cette époque-là, j'étais beaucoup plus hype par le rétro gaming que les nouvelles consoles. D'accord. Et alors comment j'ai connu ce jeu? Ce jeu-là, c'était au tout début de YouTube, hein, donc on devait être en 2011, un truc comme ça, ouais, 2011-2012. Et à cette époque-là, comme je disais au début, j'ai connu un mec qui s'appelait Edge. D'accord. Donc Edge SNES. Et D'accord. je suivais ses vidéos. D'ailleurs, sa première vidéo, c'était Street Fighter 2 Turbo sur 3DO. Voilà. Ouais. Et en fait, il faisait. Alors, je sais plus si c'était lui qui faisait ça ou si c'était quelqu'un d'autre. Il faisait en fait des émissions où, en gros, à l'époque, il ramenait des personnes. Donc, il ramenait des personnes de son quartier, il ramenait des C'est personnes. ça, ouais. Enfin voilà, diverses personnes comme ça, un peu à droite à gauche, il les ramenait, il disait, oui, voilà, parle-nous de ce que tu fais. Alors, un était faisait de la boxe, l'autre faisait du foot, l'autre était footballeur ou quoi, etc. Souvent, ça tournait autour du sport. D'accord. Et à un moment donné, en fait, Edge, il dit, alors présente-nous maintenant ton jeu, enfin le meilleur jeu de tous les temps pour toi, que ce soit sur n'importe quelle console. Et un jour, il ramène un gars, et ce gars-là, en fait, c'était pareil, un boxeur. Et ce boxeur, en fait, il présente Conquer Bad Fur Day. Ouais. Et là, je vois le jeu. Je le vois sur YouTube. Je vois le jeu. Il explique que c'est un jeu qui est complètement déjanté. C'est un jeu où ça part complètement en couille. Que tous les codes de jeux vidéo qu'on a connus depuis le début, eh ben ces codes-là ont été cassés. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le brisement, enfin le comment ça s'appelle, le quatrième mur brisé, Ouais. où le personnage parle, où en fait le personnage nous parle à Au nous, spectateur, ouais. Au joueur. voilà, au joueur. Il y a des scènes ultra choquantes. C'est-à-dire, il y a des scènes où tu vas retrouver du sexe, tu vas retrouver un boss tas de merde, mais vraiment de la merde. Hein, c'est de la merde en forme. Voilà, c'est un personnage où il te balance de la merde dessus. Il faut lui balancer du PQ pour le tabasser. Il y a des références de films, il y a des références sur Alien, sur Matrix, sur Orange Mécanique, sur Terminator 2. C'est un truc de fou furieux, et ce jeu, pour moi, c'est le jeu parfait. Ça, pour moi, Conquer Bad Fur Day, pour moi, c'est un vrai jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui mélange la culture pop, qui mélange les films, qui mélange ce côté grossier, ce côté culotté, ce côté du jamais vu. Le côté aussi complètement barré. Il y a eu aussi, alors ça par contre, ça je me suis renseigné, il y a eu aussi des publicités sur ce jeu. Il est sorti uniquement aux États-Unis et qui a été développé par Rare. C'était un des derniers jeux qu'a fait Rare. Et ils ont fait pour la promotion du jeu, ils ont, alors je sais plus si c'était dans une convention ou CES, je sais plus, ils avaient installé un bar où tu pouvais acheter de la bière et des capotes. Au CES de Chicago, aux États-Unis. Ouais, je crois. D'accord. Je crois que c'est ça. Et ça, en fait, ça, tu vois, c'était la promotion du jeu. Ils ont même fait un partenariat avec Playboy. Playboy avait fait la promotion du jeu. Ouais. Alors, je vous laisserai voir, bien évidemment, la publicité. Ouais. Qui est un peu olé olé avec une nana, une blonde et un écureuil, voilà. Et qui est sur YouTube, hein. Vous pouvez voir ça, vous tapez Conquer Bad Fur Day, ads, publicité, et vous allez voir, hein, vous allez tomber sur la pub. Et c'est vraiment un truc qui est osé. Et je te le rappelle, hein, on est sur 64. La 64, c'est une console qui est destinée pour les enfants. C'est Ouais. une console qui est destinée pour un jeune public. C'est une console où quand tu vois des parents avec des gosses, et le gosse il veut la 64 pour jouer à Mario. Et graphiquement, mais ce jeu,
Pour moi, hein, ce jeu, mais il est 100 fois au-dessus d'un Mario 64. Ouais. C'est un truc de fou furieux. Le seul point noir qu'a ce jeu, c'est malheureusement comment dire, la maniabilité. D'accord. Elle est malheureusement pourrie, donc il faut vraiment s'adapter. Mais Ouais. sinon, à part ça, mais c'est un jeu extraordinaire et pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Franchement, enfin, ça fait ultra cuck, hein, ce que je dis là, mais pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire n'importe quel jeu. Moi, je vous dis, C'est les gars, vous êtes des celui petits joueurs. c'est celui Oh, où sérieux. tu t'amuses le plus, quoi. Ça mélange la 3D, la Ben. plateforme, et puis la Ben ouais, c'est scalabilité, ça. quoi. Et ce jeu-là, il mélange tout. Il arrive à condenser, en fait, le fait que ce jeu, tu te retrouves, que ça soit dans les scènes cinématiques, il y en a certaines, mais pas trop. Le gameplay est ultra diversifié. Un coup, tu te retrouves en platform game. Un coup, tu te retrouves en première personne. Un coup, tu te retrouves dans un style genre jeu d'horreur. Ouais. Un coup, tu te retrouves à faire la course. C'est putain de diversifié. Toutes les scènes où genre ils ont repris des scènes de films pour les intégrer au jeu, c'est excellent. Le fait qu'ils soient culottés de mettre des trucs qui sont pas très légaux en mode voilà quoi, Rebelle, ouais. y a du sexe, il y a de la violence, il y a des gros mots, enfin ça part complètement en couille ce jeu. Et c'est excellent. Duke Nukem avait fait ça sur PS1 avec des petites séquences salaces aussi là, ouais. Si t'as connu Mais les tu deux. sais ce qui... Ouais, après, genre Duke Nukem, moi je l'ai connu très tard. Je l'ai connu beaucoup, beaucoup plus tard. Mais, et surtout, enfin, juste pour en finir, parce que voilà, je parle trop. Non, ça va. Mais ce qui est excellent dans ce jeu, c'est que t'as l'impression que c'est un jeu bah, pour les enfants, alors que pas du tout. Ouais. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Bah, tu sais, pour te dire la vérité, c'est moi qui étais à l'époque très axé jeu de sport, jeu d'action, on va dire ouais, simulation sportive, auto, et puis jeu de football, jeu de catch. J'étais vraiment dans tout ce qui était sport, hein. J'allais même acheter. J'avais joué à des jeux de baseball sur la N64, les Maiden aussi, etc. Et ça m'arrivait de regarder les jeux de plateforme à droite, à gauche. Et tu sais ce qui m'a rebuté, et malheureusement, j'ai jamais joué à Conquer Bad Fur Day à l'époque où il était sorti. C'est parce que je trouvais la jaquette et les photos derrière trop enfantines. Et je me suis jamais attardé à lire ce qu'il y avait marqué dans les magazines sur ce jeu-là. Jamais. Et je pense que c'est un des titres que je regrette le plus de ne pas avoir fait dans son jus à l'époque pour ce qu'il représentait. Parce que je le trouvais trop axé dans l'emballage. L'emballage de Nintendo était trompeur. Alors que, tu vois, l'intérieur du jeu n'était pas du tout ce que l'emballage dévoilait ou montrait. C'était largement mieux, largement plus adulte. Voilà, mais après le truc, il faut savoir que ce jeu-là, en fait, il devait pas s'appeler Conquer Bad Fur Day, il devait s'appeler Conquer Quest. Non. Attends, Conquer 12 Thales 64. Ouais, voilà, Conquer D'accord. 12 Thales 64. Et à la base, Conquer, c'était un jeu pour les enfants, c'est-à-dire un jeu tout mignon où tu vois les arbres avec des yeux, une bouche. Tu vois un caillou qui parle, des personnages un peu loufoques, ultra colorés et tout ça. Et ils ont présenté ça à l'E3, alors je sais plus en quelle année. Et en fait, le public était là en mode, bon, écoutez les gars, vous avez fait Diddy Kong Racing, vous avez fait Banjo-Kazooie, vous avez fait que des jeux pour gosses, c'est bon quoi. Là, ça fait je ne sais pas combien... là, c'est le 51e fois que vous faites un jeu pour gosses. Et en même temps, Rare allait se faire racheter par Microsoft. Et donc, ce qui se passe, c'est que Rare, ils ont pris une grosse décision. Ils ont dit, bon, écoutez, les gars, là, on n'a plus rien à perdre. On va faire un jeu, mais qui casse les codes et qui comment dire, nous représente. C'était ça en fait, parce que Rare, c'est une entreprise anglaise.
Et donc, si tu as l'occasion de jouer au jeu, tu remarqueras, il y a beaucoup d'humour anglais là-dedans. Ouais, genre Dans Monty ce jeu. Python, genre. Ouais, exactement. D'accord. Ouais, c'est par moments c'est pipi caca quoi, un peu, voilà, c'est ça. C'est. Ouais, voilà. Alors forcément, voilà, mais l'humour, je pense, après, peut-être, mais je pense que à cette époque-là, c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu avant et que c'était assez choquant et assez, je dirais, marrant, rigolo. Et puis même, il y a une vidéo sur YouTube où il montre, il y a un écran géant en fait qui présente le jeu Conquer Bad Fur Day, et dans la pièce, en fait, il y a que des adultes. Et les D'accord. gens comprenaient pas pourquoi, en fait, les gens allaient voir, du coup, Conquer 64, alors que c'est un jeu qui est destiné pour les enfants. Et en Ouais. fait, non, ce qui se passe, c'est que le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Ah. Et quand ils présentent le jeu pour la première fois, les gens, ils sont morts de rire parce qu'il y a des scènes vraiment très culottées dans ce jeu. Et au final, le jeu a été très bien reçu. Malheureusement, il s'est très mal vendu. Et parce qu'il est sorti en mars 2001. Ouais, il est sorti tard, et puis les gens étaient déjà axés sur d'autres systèmes, ou dans la PS2 par exemple, voilà, qui allait arriver chez nous. Ouais, c'est, enfin, qui était déjà chez nous d'ailleurs, elle est sortie au mois de novembre 2000, ouais. J'ai du mal à m'y faire, hein, parce que je racontais ça, c'est que il y a plein de gens qui oublient que la PS2, quand elle sort, elle est en pénurie pendant 3-4 mois en France, hein. C'est un raz-de-marée de vente, et les gens ont du mal à se procurer la PS2. Et malheureusement, en fait, les gens ont arrêté d'acheter des jeux sur Super NES, sur Nintendo 64. Et je parle même pas des consoles comme la Neo Geo ou la Mega Drive. C'était complètement has-been. C'était le format cartouche. C'était un répulsif, en fait. Tu vois, c'était vraiment ringard. Nous, étant ados, on voulait plus entendre parler de cartouches. Hein, et t'as des bons jeux. Même sur Super NES, hein, qui sont passés à côté de plein de gens, plein de gens. Alors que, enfin, tout le monde connaît, tout le monde sait que la PS1 et la 3D, c'était pas un gage de qualité, hein. Mais bon, et c'est dommage, tu vois. Le Conquer Bad Fur Day, pour mon expérience, je peux te dire que, bah, il revenait souvent d'occasion, ouais. Il revenait souvent comme Banjo-Kazooie, comme. C'est des jeux qui restaient pas chez les gens, en fait. Pour quelle raison? Je me souviens d'une dame, tu vois, j'étais là, en fait, ce jour-là. On devait être autour de, ouais, 2003. J'étais là dans la boutique d'un gars, et il y avait une dame qui avait été choquée de ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'elle avait acheté ce jeu pour son fils, et elle avait été choquée, en fait, par le titre. Elle l'avait ramené au magasin tout de suite le lendemain après l'avoir acheté, et elle avait pris Banjo-Kazooie à la place. Et Banjo-Kazooie, c'est plan-plan, c'est chiant en fait. Mais quand tu prends un jeu pour les enfants, ben ouais, c'est un peu comme acheter un GTA. T'achètes un GTA San Andreas à ton gamin qui a 6 ans. La mère, elle accepte moyennement que t'écrases les gens, tu tires à droite à gauche, tu vois. Enfin bon. Y avait ce sentiment à l'époque des parents qui voulaient pas choquer les gamins parce qu'ils avaient acheté du Nintendo. Et c'est vrai ce que tu dis, le côté rebelle. Nous, on l'a ressenti chez les parents qui venaient acheter des jeux dans les boutiques, ouais. Ils étaient choqués par le côté rebelle, en fait, de ce jeu-là. Et ça leur plaisait pas. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, des parents qui n'ont pas accepté que ce titre-là soit aussi dégradant pour les gamins, en fait, dans les et comment dire, influence hein, que ce jeu influence autant les gamins, peut-être aller dans une mauvaise direction que eux ne voulaient pas, alors qu'il y a eu bien pire par la suite. Voilà, ça reste un Ouais, bien cartoon, sûr. ça reste un jeu vidéo, ça reste un cartoon, voilà. Mais bon, il y a eu des polémiques comme ça avec des jeux, hein, comme Mortal Kombat, comme le premier GTA, le GTA à Londres, là. Tous ces jeux-là, on a fait des polémiques, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Le Doom en Allemagne a été interdit aussi à une époque.
Wolfenstein aussi, voilà. Après, c'est revenu, mais il y a eu pas mal de censure. Enfin, Mais tu vois, moi je trouve que si tu veux marquer un jeu vidéo qui reste dans les mémoires, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en 2023, il faut choquer les gens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout est trop lisse. On fait des jeux trop lisses, tu vois. Et Conquer Bad Fur Day, pour moi, c'est le jeu qui a compris que faire un jeu vidéo, c'est pas juste faire un jeu vidéo pour faire du jeu vidéo. Il faut faire du jeu vidéo pour choquer les gens et pour marquer les gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est très mal vendu, donc forcément, il y a très peu de gens qui le connaissent. Mais tu ressors un jeu comme ça en 2023, pouah, je serai le premier à l'acheter. Je serai le premier à l'acheter. Rien que quand tu démarres le jeu, tu vois Conker avec une tronçonneuse et qui découpe le logo N64. Quel jeu fait ça? Bah, il y avait du. Vraiment, quel jeu fait ça? C'est hallucinant de voir ça. Rien que de voir ça au Enfin, début. Mais mec, mais tu te dis, mais pourquoi? le pire qu'on ait vu, si tu te souviens, c'est sur Mega Drive avec les logos Sega, avec Earthworm Jim, avec Mickey, avec Taz, avec. Voilà, Ouais. c'était très, très cartoonesque. Voilà, ça s'arrêtait là. Aladdin aussi, avec. Bon, le génie, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tasmania, je crois qu'je sais même pas si Taz, il mange en fait le logo Sega, je sais pas. Peut-être qu'il l'avale ou je sais plus. Bah, j'ai pas Y a pas, fait gaffe. c'est pas violent, quoi. C'est pas violent, quoi. Mais ouais, en effet. Et je pense que ce jeu-là, il mériterait une édition. Alors Nintendo qui aime bien nous ressortir sur Switch des Mario 3D All-Star et ses conneries. Donc. Enfin bon, on n'a pas. Moi, sincèrement, j'ai pas envie de rejouer à Mario 3D All-Star. C'est bon, quoi. Voilà. Il a fait son temps. Faut passer à autre chose. Mais il est trop récent en plus. Mais le Conquer, je mets au défi Nintendo de le ressortir aujourd'hui. Et de le ressortir dans sa version non censurée. Jamais de la vie. Sortez-le Jamais de avec de la merde digitalisée à la Mortal Kombat, tu sais. la vie. Oh là Tout là. ça, tu sais, avec les technologies d'aujourd'hui, tu vois, et je les mets au défi. Et s'il y a de l'argent s'il y a de l'argent à faire, ben écoute, qu'ils laissent de côté leur morale à deux balles, Nintendo, là, et qui sortent des vrais jeux qui ont plu à des gens, ouais. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Mais je suis pas certain que, ouais, comme tu dis, je pense qu'il y a trop de problèmes avec. Déjà, Rare, comme tu dis, c'est une société qui appartient à Microsoft aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, la licence serait une nouvelle fois renégociée pour que le jeu ressorte sur la Switch. Bah, il faudrait que soit Nintendo rachète le jeu, mais ça, c'est dans tes rêves. Soit que quelqu'un puisse racheter la licence Conker, mais ça viendra pas parce que malheureusement le jeu il est ça fait 20 ans qu'on a pas eu de suite, enfin plus de 20 ans. Il y a eu genre des tentatives hein, qui ont été faites, mais pour moi ils ont torturé le personnage comme pas possible. À un moment donné ils ont fait un jeu qui s'appelle Project Spark. Et genre Project Spark, c'était un jeu qui a été fait par Microsoft, je crois. Et ils ont intégré Conker dedans. Mais le Conker, graphiquement, il est dégueulasse. Le jeu est dégueulasse. Ça te donne pas envie du tout. Quoi d'autre? Ils ont tenté aussi de faire, tu sais, c'était genre récemment, Google, ils ont inventé ce qu'on appelle les Google Glass. Donc les espèces de lunettes où genre tu peux interagir et tout et tout. Et ils ont intégré une espèce de conquer qui s'appelle Young Conquer. Je t'invite à aller voir, enfin je vous invite à aller voir Young Conquer. Donc en français ça veut dire jeune conquer sur Google. Vous allez voir la gueule de Conquer, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. C'est n'importe quoi, il a des tout petites jambes, les jambes ultra fines. Une tête, mais t'as l'impression que c'est un triseau le perso. Ils l'ont massacré, ce personnage. Ils l'ont massacré. Ben, en plus Et ouais. sur la version N64,
Il a quand même une tête. Il me fait penser un peu au clown dans It, en fait, dans ça, là, le Conquer. Il a pas trop d'expression au visage, il a un regard satanique un peu. Il rigole, mais Ouais. tu sais qu'il va faire de la merde, il va faire des conneries, quoi. Il y a une séquence Call of Duty en plus dans Conquer, je vois ça là, où t'es dans une Ouais, tranchée. ouais, ouais. 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 Non, mais vraiment, non, mais vraiment, mais si t'as l'occasion d'y jouer, tu regardes le gameplay du jeu, mais Ouais. c'est ultra diversifié, hein. Ouais. C'est Ah, mais excellent. bah, j'aimerais bien en fait, à la limite, moi, choper un carte mode, enfin, un carte mode, une Repro AliExpress de ce jeu-là, pour y jouer sur la vraie console, tu vois, à la limite. Parce que je sais que sur émulateur, ça va pas être pareil, forcément. Et Ouais, bah oui. j'aimerais beaucoup, en fait, on va dire, l'essayer dans sa vraie structure, tu vois, avec les. Mais bon. Après, aujourd'hui, on sait que le jeu. À une époque, en version US, ce jeu-là, il coûtait pas forcément très cher, autour de 80 €, tu me diras, c'est déjà cher, mais en France. Et même la version US coûte cher. Et la version PAL, j'en parle même pas. Hein. Depuis que Monsieur Conquerax s'appelle Conquerax, c'est problématique. C'est C'est problématique. problématique, le Ouais. prix il a augmenté, ça y est. Ouais, c'est Aujourd'hui, le problématique. jeu il est coté à plus de 300 € hein, complet, hein, minimum. Ouais, donc il suffirait que des gars comme DGGX s'appellent Castle of Illusion à la place, avec un autre pseudo. Alors là, le jeu prendra aussi de la valeur. Je sais pas. Sans doute. Ouais, enfin, écoute, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a eu tellement de jeux qui doivent exister encore dans le monde, comme tu as dit. Hein. Et je crois qu'il y a eu 770 000 exemplaires, si je me trompe pas. J'ai vu dans le magazine là tout à l'heure. Ouais, 700 et quelques. Et au final, de ceux qui doivent exister et rester, et qui sont toujours fonctionnels, et pas jetés à la poubelle ou dans des décharges, il ne doit pas en rester beaucoup en fait. C'est un peu ça le problème. Mais étonnamment, hein, tu sais, il y a des jeux Jaguar qui se sont largement moins vendus et qui sont trouvables aujourd'hui. C'est pour ça que moi je pense sincèrement que les gens qui collectionnent certaines consoles sont vraiment très naïfs dans leurs achats, en pensant acheter des restocks qui arrivent de nulle part, mais ce sont des contrefaçons extrêmement bien refaites. À mon avis, des jeux comme Conquer sont des titres qui sont vraiment dans la ligne de mire des pirates, tu vois, pour faire de l'argent. Ouais. Je pense sincèrement, quoi, parce que c'est un jeu qui coûte cher. Il allie tout, la rareté, la valeur, la demande, et puis le gameplay particulier, le design particulier, le côté censure. C'est un jeu qui allie tout, et dans le rétro gaming, tu vois. Ouais. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui aujourd'hui ne se rendent pas compte que peut-être ils sont en train d'enchérir sur une contrefaçon, ou alors ils ont déjà acheté la contrefaçon sans savoir. Mais bon, tout ça c'est un petit avis, quoi. Quand tu vois que d'autres plateformes c'est encore pire au niveau de la disponibilité sur le marché, quoi. Donc ouais, je trouve dommage que je ne puisse pas aujourd'hui jouer comme d'autres au vrai jeu, malheureusement. Enfin voilà quoi. Mais bon, il y a. Moi, je parlerai pas forcément d'un autre jeu, voilà, spécialement. Il y a Mischief aussi, le jeu de plateforme que j'aimais bien, qui est assez bien foutu. Il y a Tarzan, qui est bien foutu, de Disney. C'est une des meilleures adaptations, je trouve, qui est pas mal. Il y a plein de petits bons jeux. Même le Mortal Kombat Trilogy. Qui est une très bonne réussite, hein, sur la console, je trouve. Au niveau gameplay, il y a les jeux de basket comme NBA Hangtime. Et puis, après, bon, le Kobe Bryant 64, je trouve il est moyen, mais à l'époque, il rivalisait avec les NBA Live de la PS1. Bon, il s'est fait un peu dépasser. Mais au niveau du sport, la N64, c'est du sérieux, hein. Maiden, le football également avec les ISS. C'est une très bonne console pour les gens qui adorent le sport, je trouve, hein.
Il y a beaucoup de touches sur la Ouais, je manette. trouve qu'il y a eu quand même pas mal de jeux de sport hein, sur cette console. Ouais. Grâce à Electronic Arts, Midway. Et puis les. Alors, moi, j'ai acheté récemment GT 64, le Gran Turismo 64. Là, il est... Au niveau de l'animation, j'ai été assez surpris. Le jeu est assez fluide. Et là où je me suis pris sincèrement une bonne gifle en pensant que c'était vraiment pas terrible, c'était, tu sais, Ridge Racer. Et le Ridge Racer 64, et ben franchement, Voilà. il est excellent. Mais il est bon, hein, ouais. Ouais, Il est très très bon. Et enfin pour moi, la N64, j'ai très peu de déceptions dans tous les jeux que j'ai. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, dans ma collection de jeux en loose, je dois avoir peut-être. Allez. Entre 50 et 65 jeux, je sais pas exactement combien, mais aujourd'hui tu peux chiffrer largement plus que 3 bons jeux sur la N64 dont tout le monde parle. Il y en a vraiment une soixantaine qui sont vraiment très bons, je trouve. Et les gens s'attardent sur du Mario, sur du SS ou du GoldenEye, mais il y a beaucoup beaucoup plus de bons jeux à découvrir sur cette console. Voilà. Alors, est-ce que le Mega Man 64, toi, tu t'as pu le tester un jour ou pas? Parce qu'il y a un Mega Man Ouais, 64. il y a un Mega Man 64. Alors, celui-là, il est sorti au Japon. Il s'appelle Rockman Dash. Et c'est un jeu de Capcom. Alors, si je me trompe pas, hein, attends. Ah si, il a été, voilà, c'est ça. J'ai dit mince, j'ai dit une bêtise. Ben, en fait, non, il a été annulé en Europe, c'est bien ce que je pensais. Et il est sorti aux États-Unis et puis au Japon. En 2000, il est sorti au Japon. Et après, il a été noté 2 sur 5 dans le bouquin de Geek Line au niveau Ouf! du gameplay. Ah oui. C'est un, comment dire, comment on pourrait expliquer ça? Je ne sais pas. C'est un concept où tu es en 3D comme dans un Mario 64, avec ton personnage en la troisième personne, et puis tu avances dans des décors en tirant, mais apparemment il y a des gros problèmes de caméra, et puis l'action est très lente. Donc ça reste un jeu qui a le nom de Mega Man, mais qui n'en est pas un en fait, voilà. Donc, mais tu vois, Nintendo n'a pas réussi par moment à remettre ses licences phares au goût du jour sur leur nouvelle console. Voilà. C'est assez étonnant. Mega Man, c'était. Il y avait des jeux comme. Tu sais, sur la NES, t'avais des jeux comme Kid Icarus, Metroid, tous ces titres-là. On les a pas vus, hein. Ils sont pas forcément arrivés. Je pense que le concept de la 3D a bloqué peut-être des développeurs dans leur progression. Et tu vois, je repense récemment à Xenocrisis, qui est vraiment magnifique au niveau de la 2D, hein, de l'exploitation de la 2D sur cette console. Et cette console, on avait énormément sous le capot pour la 2D. Et on n'a fait que de la 3D pratiquement. C'est vraiment dommage. C'est vraiment Ben dommage. ouais. De toute Enfin voilà quoi. Là, je sais pas si façon, t'as. il a fallu faire. Enfin, je pense, hein. Il a fallu faire de la 3D, hein. En tous les cas, il y avait très peu de jeux de 3. Enfin, il y avait très peu de jeux 2D qui se démarquaient, hein. Le seul jeu 2D qui se démarque, bah, c'était Rayman. Rayman 2, il est vraiment excellent. C'est une des meilleures versions qui soit sortie de Rayman 2 sur toute console confondue, je trouve. Grâce à la manette aussi, hein, avec la manette et les sticks pour regarder à droite à gauche, tout ça. T'as aussi Rampage 2, Rampage et Rampage 2 qui sont graphiquement impressionnants pour de la 64. Et c'est encore de la 2D pratiquement, avec des petits zooms par moment. Mais les Rampage, moi j'aime bien ça, les jeux où tu détruis tout et tout. Après, c'est très répétitif. Mais ils sont graphiquement impressionnants, je trouve. Ils ressemblent. C'est presque de l'arcade perfect, sauf à cause de la sortie de la prise RCA, voilà, la sortie vidéo de la 64, rend pas hommage à l'arcade, évidemment. Mais c'est comme NBA Hangtime, ils ont réussi à faire des jeux vraiment semblables au niveau de l'arcade dans l'animation et puis
les couleurs, la fluidité, tout ça, c'était pas mal. Voilà. Bah après, je sais pas si tu voulais rajouter un petit truc par rapport à ton expérience. Ouais, bah écoute, la 64 reste pour moi l'une des meilleures consoles que j'ai jouées de toute ma vie. Ouais. Comme j'ai dit, forcément, enfin, comment dire, j'ai pas eu la 64 à l'époque où elle est sortie et tout. Ni même bah, avec le Conquer Bad Fur Day, je l'ai jamais eu, j'ai joué sur émulateur. Ouais. Mais c'est juste que j'étais tellement fan de cette console, puisque cette console, faut le dire, hein, c'est une console qui se démarque de toutes les autres consoles. Il n'y a qu'à voir la gueule de la manette, tu verras jamais une manette comme ça, en fait. Ouais. Ouais, Ah c'est ouais, parce clair. que le mec... Et en plus, enfin, genre, petite anecdote avec la manette, c'est que pendant très longtemps, je savais pas comment la tenir. Je Bah, savais pas du tout. pareil, pareil. Et je des fois je change de main aussi, ouais. Ouais. Pareil. Ouais, je savais pas du tout. Et en fait, moi je la prenais comme si c'était une manette PlayStation 1. Et en fait, je prenais la manette et je prenais mon pouce. Et au lieu de prendre ma main pour la mettre au milieu du stick, je forçais mon pouce à aller vers le stick. Mais Ouais. comme si je tenais une manette PlayStation, tu vois. Ouais. Et j'étais là en mode, mais putain, mais c'est super désagréable en fait. Et non, en fait, c'est juste qu'il faut changer la position des mains. Ouais, Mais ça, pendant très longtemps, je savais pas du tout comment tenir cette manette. bah, c'est ça qui est bien parce que chaque jeu a son gameplay différent et ses touches différentes et ses positions de main différentes sur la. Moi j'avais l'impression en jouant à GoldenEye ou en jouant à ISS ou après en jouant à un autre jeu de plateforme ou en 3D comme un Zelda, j'avais l'impression d'avoir une manette différente dans les mains à chaque fois. Tellement elle était large et que tu pouvais avoir des fonctions différentes. Là où la Jaguar s'est complètement plantée avec son espèce de Raspberry en manette, là, où il y avait des tonnes de touches, mais tu savais pas où t'étais, quoi. Il fallait regarder à chaque fois la composition du cadran. C'est très instinctif, je trouve, la manette 64. T'as pas besoin de regarder les touches, tu vois. Ouais, c'est très ancien. Ouais, enfin, je trouve. Hein. Voilà. Après, voilà. Comme j'ai dit au début, je savais pas du tout comment tenir la manette. Mais après, quand j'ai compris comment il fallait la tenir et tout, là j'ai compris comment ça se jouait et tout. Il y a même certaines touches qui ne sont pas utilisées pendant que tu joues. Oui, Hein. souvent. Genre, par exemple. Les gâchettes en dessous de tir, ouais. Voilà, mais genre un truc tout con, quand tu prends le milieu de la manette et le côté droit, tout le côté gauche n'est pas utilisé. Oui. La croix directionnelle n'est pas utilisée, le bouton L n'est pas utilisé. Ouais. Et puis voilà, enfin c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais voilà. Oui, parce que il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, la manette, elle est tellement large que les programmeurs ont fait en sorte que tu utilises seulement un côté de la manette parce que tes mains ne peuvent pas aller partout en même temps, quoi, aussi. C'est assez très Ouais, compliqué, aussi. hein. J'ai vu rapidement les limites, hein, comme je te dis, dans les jeux de sport, dans les jeux de football et les jeux de catch, où on te demande de faire des locks, de faire des contres, de faire courir ton personnage avec le stick et les touches à droite à gauche, et de composer également différents mouvements en appuyant sur deux touches en même temps. Je peux te dire qu'à un moment, en fait, voilà, tu sais plus trop où t'en es, quoi. Il y a trop de touches et ta main doit se concentrer sur un côté de la manette. Sinon, c'est injouable. Et il y a des jeux qui ont tenté de faire justement plusieurs touches en même temps. Et le gameplay, il est injouable. C'est impossible. Tu peux. Ah non, mais ils ont fait des jeux de combat. Bah d'ailleurs, je trouve, pour ma part, que Killer Instinct, ce qui gâche l'expérience de jeu sur cette console, c'est la manette, malheureusement, je trouve. Alors Ouais. que. Alors qu'avec une manette, ou avec un stick arcade, le jeu est parfait. Mais la manette, elle fout tout en l'air, en fait, pour ma part, dans les jeux de versus sur cette console. Les versus ne sont pas faits pour cette manette-là. Il faut passer à une autre manette pour moi. Imagine Ouais, jouer à Street pareil. Fighter. Imagine Street Fighter serait sorti sur la N64. Comment tu joues? Déjà, tu vois.
Ah, déjà problème. Un Problème. problème. Problème, coup de pied, coup de poing. Les boutons sont pas de la même taille. Ils sont tous les uns à côté des autres. Dans un tout petit espace, tu vas rapidement faire des erreurs en mettant ton pouce sur deux boutons en même temps. Mortal Kombat Trilogy, c'est très très limite, hein. Alors, il est impressionnant graphiquement et de fluidité de gameplay et de plaisir, mais c'est très très limite au niveau des touches, hein. Il y a des moments où tu vas appuyer sur deux touches en même temps alors que c'était pas prévu, tu vois. C'est un regret pour moi. C'est un regret que Nintendo n'ait pas sorti une manette officielle qui soit pour le Versus ou les jeux de type arcade. Voilà, les shoots. Alors voilà, il n'y a pas de shoot'em up vraiment sur la 64. Ça, c'est un genre qui a un peu disparu de la 64, tu vois. Ouais, complètement. Alors que sur Super NES, ça envoyait du lourd par moment, hein, sur les éditeurs japonais qui ont fait des trucs sympas, même Konami. Tu vois, Konami qui aurait pu faire s'approprier un shoot'em up, ben on l'a pas vu vraiment sur la 64. Hein, faudra vraiment chercher, mais écoute, dans mes souvenirs, il n'y a pas un jeu type Axelay, il n'y a pas. T'as pas un tas de Sujin, t'as pas un, tu vois, t'as pas un Thunder Force 3. Tous ces éditeurs comme Technosoft, Taito, Irem, n'étaient pas sur la Nintendo 64. C'est dommage. Bah écoute, merci à toi en tout cas, hein, pour tes anecdotes. Merci à toi, Stone.